ce que les gens veulent voir, c'est du culturel. Je crois qu'il n'y aura pas besoin de dire le titre du jeu qu'on va présenter aujourd'hui, puisque vous le voyez à l'écran après cette superbe petite scène d'intro du jeu. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Roddy Golem et aujourd'hui on se retrouve donc pour la review de Resident Evil Code Veronica, premier jeu à être sorti sur les nouvelles génération de consoles de l'époque, enfin surtout la nouvelle console de génération de l'époque, c'est-à-dire bien sûr la Dreamcast, qui était donc la console un peu de référence de l'époque, hein, la nouvelle console de Sega, hein, qui avait quand même beaucoup plu à son époque, malgré qu'après elle fut un flop à cause de la PlayStation 2, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais de base, Resident Evil Code Veronica, c'est donc la version Dreamcast, hein, c'est un jeu exclusivement à la Dreamcast. Puis plus tard, on aura donc une version appelée Code Veronica X, et qui a eu plusieurs petits changements, mais ça on en reparlera un peu plus dans cette review, qui est sortie donc sur Dreamcast le 25 avril 2000 sur Dreamcast en Europe, puis la version X sortira donc sur PlayStation 2 le 14 septembre 2001, soit un an après la version Dreamcast de base. D'ailleurs, à savoir, il y aura également une version définitive édition entre guillemets sur la version Dreamcast, hein, qui ajoute donc les scènes bonus entre guillemets de la version X de la version PlayStation 2, mais celle-ci sortira uniquement au Japon mais pas en France. Et donc bah, la Dreamcast continuera à sombrer et puis plusieurs titres de la Dreamcast finiront au final sur la PlayStation 2 et d'autres sur la console de Microsoft, donc la Xbox, mais ça encore une fois c'est une autre histoire. Donc Code Veronica, alors je vais pas trop vous parler cette fois-ci du développement du jeu bien sûr, qui est toujours produit par le très grand Shinji Mikami. Alors je sais que j'étais un petit peu méchant avec Shinji Mikami quand je parlais de Resident Evil 3 en disant que ça doit être quand même assez une horreur de bosser avec lui, mais en même temps, voilà, attention, je veux qu'on soit clair là-dessus, je respecte énormément Shinji Mikami, d'accord ? Shinji Mikami est un créateur de talent, c'est un très grand homme, je ne renie absolument pas cet homme, au contraire, on lui doit beaucoup, énormément même, pour beaucoup de ses œuvres, même si je trouve que dans l'ensemble, je trouve qu'il est un petit peu surestimé sur certains points, mais malgré tout, Shinji Mikami nous a offert quand même de sacrés chefs-d'œuvre, des jeux assez moyens, faut avouer, mais dans l'ensemble, il a quand même fait des super œuvres, et surtout, il a une fascination quand même intéressante pour l'horreur, et puis voilà, Resident Evil, on lui doit quand même cette série extraordinaire qui est Resident Evil, donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour Shinji Mikami, mais comme j'ai dit, je pense quand même que ça doit être vraiment une horreur de bosser avec lui, surtout quand on voit que le mec, il doit être quand même, quand il veut pas faire quelque chose, ça se voit, mais quand il veut bien faire les choses, ça se voit aussi, surtout avec ce Resident Evil Code Veronica, qui est considéré comme un des meilleurs épisodes de la série. Alors, j'irai pas jusque là, hein, parce que, bon, le problème de Code Veronica, c'est simple, c'est que à une époque, il était considéré comme l'un des meilleurs épisodes de la série. Aujourd'hui, tout le monde dit que Code Veronica, bah finalement, il est pas si top que ça. Voilà, au final, les gens disent qu'au final, le jeu n'est pas si top que ça, qu'il a assez mal vieilli. En même temps, on a une version HD de merde, hein, faut avouer, on a une remasterisation, si on peut appeler ça une remasterisation, de merde, donc c'est un peu logique aussi. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment mal vieilli? Absolument pas. Est-ce que c'est l'un des meilleurs? Je dirais pas que c'est un des meilleurs, mais je dirais que comme Resident Evil 3, je le mets à peu près au même niveau que Resident Evil 3. Allez, à la limite, un petit cran au-dessus de Resident Evil, un petit cran au-dessus, pardon, que Resident Evil 3. Mais
Honnêtement, Code Veronica, ça reste quand même un très bon Resident Evil, un très très bon jeu, même si je trouve qu'il y a quand même un peu de foutage de gueule à côté, mais ça on en reparlera un peu plus. Donc comme je dis, je vais pas revenir sur le développement du jeu, parce que bah au final, ça revient au même que sur Resident Evil 3, parce que comme je vous ai dit dans la review de Resident Evil 3, les deux jeux ont été développés à peu près en même temps. Donc c'est pour ça, à mon avis, que Resident Evil 3 n'a pas été assez exploité sur certains points. Et donc Code Veronica, comme je dis, il est toujours produit donc par Shinji Mikami et également par Katsuhiro Asagawa. Excusez-moi de la prononciation, je suis pas très fort pour les prononciations des noms japonais, hein, je fais de mon mieux. Et donc nous retrouvons donc la fameuse Claire Redfield, qui a donc pour but de retrouver son frère et qui va aller à Paris. Voilà, hein, ça fait plaisir, hein, de voir que Claire adore la France, hein, mine de rien. Décide d'aller à Paris pour essayer de retrouver son frère. Malheureusement, elle se fera bien sûr capturer par un espèce de grand bonhomme assez baraqué qui l'enverra donc sur l'île pénitentiaire d'Umbrella, parce que oui, si elle est à Paris, c'est pas forcément pour goûter la gastronomie française, j'ai envie de dire. Non, c'était pour donc comme je vous ai dit, de retrouver son frère et en même temps d'enquêter sur Umbrella, qui avait donc un laboratoire à Paris. Et finalement elle finit donc sur une île pénitentiaire. Et au début du jeu, on est dans la prison, voilà, on est dans une prison, et elle se rend compte que celui qui l'a amené sur l'île l'île pénitentiaire finit par la libérer. Voilà, il finit par la libérer et lui dit qu'elle est libre car cette île n'existe plus. Voilà. Alors surtout que le mec est assez blessé, voilà, le mec est un peu mal en point. Et Claire se demande un peu qu'est-ce qui se passe, et elle va découvrir qu'une fois dehors, l'île a été infectée par le virus, et du coup, quasiment tout le monde s'est transformé en zombie. Et notre but, c'est simple, ça va être donc de survivre et de partir de l'île en compagnie d'un homme du nom de Steve. Alors, Steve Burnside, ou Burnside, je sais pas comment on prononce son nom, que certains appellent Leonardo DiCaprio, parce que oui, ils sont sûrement inspirés de Leonardo DiCaprio pour faire le personnage, ce qui est assez marrant d'ailleurs, et que les filles ont adoré d'ailleurs, hein, faut avouer que la plupart des filles ont adoré ce personnage. Alors que certaines personnes détestent Steve Burnside, hein, y en a qui détestent ce personnage parce qu'il est assez chiant. Moi personnellement, il m'a pas trop dérangé, hein. Personnellement, ça reste un peu le personnage. Voilà, c'est un stéréotype comme d'habitude. Je veux dire, Resident Evil, c'est simple, c'est un jeu qui fait exprès d'utiliser le stéréotype. D'accord, c'est un jeu stéréotypé, Resident Evil, et ça l'assume. D'accord. Moi, ça me dérange pas qu'on utilise le stéréotype tant qu'on n'en surjoue pas, d'accord ? Ce sera malheureusement ça qu'il y aura dans Resident Evil 5, mais ça, on en reparlera, bien sûr, quand je vous parlerai de Resident Evil 5. Donc voilà, comme je dis, le stéréotype dans Resident Evil est assumé, donc ça, moi, ça me dérange pas. Steve, en plus, c'est un bon personnage, il est exploité comme il faut, il a sa petite histoire. Le seul truc, par contre, qu'il faut savoir, c'est que, voyez, moi, j'adore Carlos Oliveira de Resident Evil 3. C'est même mon personnage préféré. Malheureusement, Carlos Oliveira est inexploité dans Resident Evil 3 et n'a quasiment pas de scénario dans Resident Evil 3. C'est l'un des problèmes. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, voilà, faut avouer quelque chose que beaucoup ont oublié, parce qu'ils ont pas, surtout ceux qui disent que Steve ne sert à rien dans Resident Evil Code Veronica, c'est que Steve est déjà mieux exploité que Carlos Oliveira. Je dis ça alors que Carlos Oliveira est mon personnage préféré de la licence. Et ça, faut pas oublier. Donc, Steve Burnside, vous avez le droit de pas l'aimer, mais je suis désolé, il est déjà un peu mieux exploité que Carlos Oliveira. Certes, il est pas assez exploité dans le jeu, c'est vrai, mais il reste un personnage plutôt correct.
Puis voilà, qui a son scénario. Voilà, il a son petit scénario qui est intéressant. Et il a une scène, à un moment donné dans le jeu, qui est juste excellente. Parce que de toute façon, les scènes dans ce jeu, de toute façon, hein, c'est l'un de ses plus gros points forts. Le jeu regorge de scènes aussi mythiques les uns que les autres. Hein. De toute façon, c'est ça qui a fait surtout sensation. Déjà que Resident Evil 3 avait une mise en scène juste au top. Bah là, Resident Evil Code Veronica, c'est encore mieux. En même temps, Code Veronica, il est sur une console nouvelle génération, donc c'est normal qu'ils ont un peu plus exploité la mise en scène dans cet épisode. Et la mise en scène est au top. Franchement, hein, des scènes cinématiques, mais putain, je me rappelle la scène où t'as Claire, donc, qui se fait prendre par un ennemi, qu'on en reparlera plus tard, où elle est vraiment en position de faiblesse, quoi, où elle est sur le point de se faire tuer, et là, t'as Steve qui arrive avec des pistolets en or, avec un ralenti face au Matrix, et qu'il arrive et tout, qui lui fout des coups de mitrailleuse et tout, puis après il fout un coup de pied. Cette scène, elle m'avait marqué à l'époque, j'avais surkiffé cette scène, je la trouvais magnifique. Alors, pour certains, ça fait un peu mal vie, mais moi je suis pas d'accord, je trouve cette scène toujours aussi classe et je la kiffe. Voilà, je la kiffe. Et il y a plein de ce genre de scènes dans le jeu. Il y en a plein. Et franchement, ils se sont lâchés pour ces scènes. Ils se sont lâchés. Je l'ai déjà dit, dans Resident Evil 3, c'était super. Mais alors là, dans Code Veronica X, ils se sont déchaînés comme pas possible. Et la mise en scène dans ce jeu, c'est du top du top. Franchement, je pense que c'est l'un de ses plus gros points forts, c'est vraiment cette mise en scène de psychopathe. Parfait, franchement parfait. Plus tard, on va donc découvrir également les méchants du jeu. Donc déjà, Alfred Hatchford, qui est sûrement le meilleur personnage du jeu. Je vous dis honnêtement, ce personnage, il est exceptionnel. Déjà, il a une voix, le doubleur, il s'est lâché sur le personnage, surtout le moment où il rigole à chaque fois, mais j'en peux plus, allez, juste pour le plaisir. Voilà, c'était cadeau, franchement, mais leur sourire, moi, de toute façon, j'en retiendrai toute ma vie. Et en plus, ce personnage, mais qu'est-ce qu'il est bien écrit. En fait, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il faut retenir, c'est que Code Veronica X a sûrement, même encore à l'heure actuelle, est sûrement le Resident Evil le mieux réalisé au niveau de son scénario. Enfin, le mieux écrit au niveau de son scénario. Clairement. Resident Evil Code Veronica X, ou Code Veronica comme vous voulez, a sûrement le meilleur scénario de tous les Resident Evil confondus. On a ici des personnages qui sont non pas aussi bien écrits qu'un Silent Hill. Bon, non, on n'est quand même pas au niveau d'un Silent Hill, au niveau de l'écriture des personnages, faut pas déconner, mais quand même, l'écriture des personnages, c'est un truc de fou, surtout pour la famille des Ashford. Franchement, les frères et sœurs Ashford, ces personnages ont une écriture de psychopathe, ils ont un backroom de pur psychopathe. Et je pense qu'honnêtement, Alfred, c'est peut-être le meilleur personnage du jeu. Les scènes avec ce personnage sont intenses, sont impressionnantes. Et c'est un pur psychopathe. Surtout que tu auras plusieurs moments également avec Steve et Claire, donc, qui vont s'allier pour affronter les deux personnages. Et puis plus tard, après qu'on est sur l'île, une fois qu'on se sera sauvé de l'île, on arrivera dans une autre phase de jeu, parce que c'est ça aussi la puissance du jeu, c'est qu'il est construit également différemment, mais ça on y reviendra un peu plus dans le gameplay juste après. On arrivera donc dans un nouvel environnement en Antarctique, si je me souviens bien, et là, cette fois-ci, on va plus affronter Alexia. Et là, Alexia, pareil, c'est une psychopathe. Franchement, c'est une psychopathe. Et là, on a des scènes de fou, encore une fois, qui sont mythiques. Putain, les scènes cinématiques, parce que ça aussi, c'est un des plus gros points forts également du jeu, c'est ces scènes cinématiques qui sont juste magnifiques. Clairement, les scènes cinématiques dans ce jeu, encore une fois, c'est de l'image de synthèse qui a encore évolué. Encore une fois, on voit clairement qu'on est sur une nouvelle génération de consoles à l'époque. Et les images de synthèse sont juste sublimes. Clairement, ils sont sublimes. Et
ils ont une putain de mise en scène. Voilà. Encore une fois, je me répète, mais ils ont vraiment une super mise en scène. Et autre chose aussi que j'ai trouvé très bon dans le jeu, c'est également les dialogues. Les dialogues du jeu sont également excellents. Là aussi, on a également des dialogues qui prennent aux tripes. Encore une fois, c'est pas des dialogues du style Silent Hill. Encore une fois, je dis pas non plus que c'est des dialogues qui sont du niveau de Silent Hill. C'est des dialogues qui restent au final très basiques et assez stéréotypés dans le style de Resident Evil. Voilà. Mais il y a un très très gros effort quand même qui a été fait à ce niveau-là dans cet épisode. Et moi, je dois dire bravo. Franchement, bravo. Bravo, encore une fois, pour ce tour de force qu'ils ont fait. Ça prouve quand même que Capcom sont capables de créer de très bons scénarios et de très très bons personnages. Donc voilà, j'ai envie de dire bravo à ce niveau-là, surtout au niveau du scénario. Surtout qu'on va également avoir le retour de Albert Wesker, forcément, qui fait également ce retour dans le jeu. Alors putain, la scène, on le voit arriver... on le voit pas arriver. Voilà, c'est con ce que je dis, mais voilà. En fait, t'as Claire Redfield, voilà, qui arrive vers le château, et là t'as Albert Wesker qui arrive, qui la défonce. Putain, la pauvre, elle se prend un coup de pied dans la gueule. Malheur comme pas possible. Encore une fois, la scène excellente. Voilà, il lui dit de savoir où est Chris, et puis après il dit oh, bah finalement tu vas me servir à quelque chose, donc il la laisse en vie. Alors, je vous disais également qu'il y avait dans le scénario quelques petites différences entre la version PlayStation 2 et la version Dreamcast. Ces différences concernent surtout donc les différentes scènes de jeu. Parce que les scènes de jeu, en fait, ont été modifiées dans la version PlayStation 2. Par exemple, je vais vous montrer une scène culte d'ailleurs du jeu, où on a Alexia qui descend les escaliers et qui se transforme, et il y a Albert Wesker qui lui dit qu'il est venu la capturer. Albert Wesker qui est censé être un surhomme, voilà, qui n'a peur de rien, mine de rien. Wesker c'est pas un lâche, hein, mine de rien, il est censé quand même affronter le danger, c'est pas un mec qui est censé avoir peur. Et dans la version Dreamcast, bah le mec c'est une tafiole, voilà. Faut l'avouer, dans la version Dreamcast, Albert Wesker c'est une tafiole, il se fait littéralement défoncer par Alexia, il se prend 3-4 coups dans la gueule, il saigne et il se barre. What power! Voilà, Ace Bar, et là c'est nous, Chris Redfield, parce que oui, j'en reviendrai un peu plus après, qui doit affronter Alexia. Alors que dans la version PlayStation 2, donc la version X, on a un vrai combat entre Albert Wesker et Alexia, parce qu'Albert Wesker, en fait, il a des capacités surhumaines. En fait, il a survécu grâce à un virus qui lui avait été injecté, où en fait, il a, on va dire, une vitesse surhumaine, et puis il peut également avoir une très bonne résistance. Voilà, il a une forte résistance à la douleur. Et dans le jeu, plus tard, on va retrouver donc Chris Redfield,
qui est venu ici pour sauver sa petite sœur Claire, parce que Léon a contacté Chris pour lui dire que sa petite sœur a été emmenée donc sur l'île pénitentiaire d'Umbrella, et donc ben, son frère va tenter de la sauver. Et on va devoir tout reparcourir le jeu, ça on en reparlera après. Du coup, Chris va re-rencontrer Wesker, et Wesker a une haine absolue envers Chris, parce que ben, Chris a cassé tous ses projets, on va dire. Et la scène qui me restera gravée à jamais dans mon crâne, dans ce Code Veronica, surtout cette scène, où on a en fait Alexia donc, qui descend les escaliers comme dans la version Dreamcast, sauf que là Wesker va lui opposer une vraie résistance et il y aura un vrai combat qui va s'enclencher avec une sublime musique. Bon, la musique on en reparlera un peu plus après, et là, magnifique. Là, magnifique, t'as à un moment donné Chris qui se cachait pour voir la scène, qui va sortir de son trou, et là t'as Chris et Wesker qui vont se regarder, ça va faire Chris, Wesker, comme ça, ils vont se regarder bizarrement. Mais cette scène, je crois que c'est l'une des plus belles scènes. Et juste, vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est une scène qui est certes stéréotypée, je ne renie pas, voilà, la méchante qui a beau être jolie, mais qui est une femme forte, résistante, voilà, qui n'hésite pas à rigoler quand elle a envie de rigoler, mais c'est jamais surjoué, voilà, c'est jamais surjoué, surtout que Chris, dedans, il a une super modélisation, ils ont juste changé sa coupe de cheveux dans la version PlayStation 2, ce qui est un peu con, j'ai envie de dire, mais bon, ça c'est qu'un petit détail. Surtout qu'il est super cool, Chris, dedans, hein, il a vraiment une belle gueule, comparé à la version remake de Resident Evil 1, il a vraiment une belle gueule dans Code Veronica, et voilà, juste cette scène où il y a le regard entre Chris et Wesker, je sais pas, on voit que c'est un regard du genre, merde, qu'est-ce qu'on se fait, est-ce qu'on se tape dessus, ou est-ce qu'on s'allie pour l'affronter. Où, et là t'as Wesker qui balance, ah, bon bah Chris je te laisse t'en occuper, moi j'ai d'autres choses à faire. Ce qu'il y a c'est que là bah, donc du coup bah Wesker décide de se barrer parce qu'il a d'autres choses à faire, et il laisse en fait Chris dans la merde, voilà. Alors peut-être qu'il voulait laisser Alexia tuer Chris, on ne sait pas, mais enfin cette scène excellente, voilà, cette scène est excellente, et voilà, je voulais juste vraiment parler de cette scène qui est vraiment géniale. Et puis voilà, je crois que vous aurez à peu près tout dit sur le scénario. Je vais pas en dire plus sur le scénario, juste pour vous dire que le scénario est excellent. On va de révélation en révélation en ce qui concerne la famille Ashford. On en apprend un peu plus également sur les envies de Wesker également, hein, sur pourquoi est-ce que Wesker est autant énervé face à Chris, le fait qu'il est de retour également dans cet épisode. Les textes qu'on va lire sont très très intéressant à lire. On en reparlera un peu plus dans le côté gameplay en ce qui concerne les énigmes qui ont été très critiquées dans cet épisode, chose que je comprends pas. Et puis voilà. Bon, alors, je crois que vous avez à peu près tout dit sur le scénario qui a un très bon rythme. Et puis à la fin, t'as un code à rentrer dans le jeu. Un coup de génie. Voilà, un coup de génie. Je me suis dit là, putain, et ils ont géré. Ah ouais, là, ils ont géré. Le tout dernier code à la fin, j'en dirai pas plus, mais c'est un coup de génie. Voilà, tout simplement, c'est un coup de génie. Donc voilà, je crois vous avoir à peu près tout dit sur le scénario du jeu. De très bons personnages exploités comme il faut, une très bonne écriture. Bref, voilà, le meilleur Resident Evil en termes d'écriture. Sans problème, sans problème. Donc niveau gameplay, on retrouve donc certaines similitudes avec Resident Evil 3, notamment le fait qu'on puisse justement faire un demi-tour sur soi-même, parce que de base, le gameplay, bah, il change pas trop, hein, ça reste le gameplay de base avec les croix directionnelles pour aller vers le haut, un pour la gauche, un pour vers la droite. Alors, je sais plus si c'est dans cet épisode également qu'on peut jouer avec les joysticks analogiques. Je pense que oui, puisque le jeu est sur PlayStation 2, donc je pense que oui, surtout que dans la version Dreamcast, c'est pareil, si je me souviens bien, parce que ça fait un moment que j'ai pu jouer sur Dreamcast, on avait également la possibilité de jouer avec joystick analogique, mais je ne suis pas sûr, surtout que bon, la même Dreamcast
elle est pas trop évidente, je trouve, pour le jeu Resident Evil. Personnellement, c'est mon avis, hein, parce que là, après, pour les questions de gameplay et des manettes, après, c'est là, c'est vraiment chacun son avis. Mais je trouve honnêtement que j'ai eu plus de mal à faire le jeu sur Dreamcast, parce que oui, j'ai la version Dreamcast et la version PlayStation 2, que sur PlayStation 2 au niveau du gameplay. Je sais pas, c'est j'ai vraiment eu cette impression, mais sinon après pour le reste, le gameplay, bah voilà, c'est du basique. Hein. Les fameuses plantes et les fameuses sprays qui nous permettent, comme d'habitude, de nous soigner. Et on retrouve également la carte qui n'a toujours pas évolué depuis le premier Resident Evil. Ça, franchement, c'est impardonnable. Le jeu n'a pas évolué sa carte. Entre temps, on a eu un Silent Hill quand même où la carte était ultra confortable. Là, on a une carte toujours non détaillée, mal foutue et elle sert quasiment à rien. Et c'est vraiment ça le problème également de ce Resident Evil Code Veronica, et qui va être un peu dans le foutage de gueule que je dirai un peu plus tard, c'est que la carte n'a pas évolué. C'est inacceptable. Ainsi que bien sûr l'inventaire, où comme d'habitude un objet fait un seul inventaire, et comme dans tout Survival Horror, il faudra bien entendu faire attention à son inventaire, où plusieurs pièces de puzzle ou alors de munitions, armes et soins prendront de la place. Donc c'est à vous bien sûr de gérer votre inventaire, et ça c'est toujours ce qu'il y a de génial dans les Survival Horror. Surtout que ce sera peut-être l'un de ses gros points faibles à ce Code Veronica, c'est que bon, il y a de très bonnes idées encore une fois au niveau du gameplay qui ont était également fait sur Resident Evil 3, comme par exemple le fait d'utiliser plus de barils explosifs, hein, comme je dis qu'il y en avait beaucoup plus dans Resident Evil 3, il y en a tout autant dans ce Code Veronica, qui mise également un peu plus sur l'action, hein, ça aussi Resident Evil Code Veronica mise un peu plus sur l'action, mais également beaucoup plus sur les énigmes, d'ailleurs c'était très critiqué ça, à ce niveau là, on en reparlera juste après. Et si vous voulez... Dans le gameplay, on a quand même quelques petits ajouts, comme par exemple le fait de pouvoir tenir des mitrailleuses dans deux mains. Voilà, on peut avoir deux armes dans deux mains et ainsi viser plusieurs ennemis, ce qui est plutôt cool d'ailleurs. On aura également une nouvelle arme, le sniper, qui a beaucoup été idolâtré dans cet épisode. C'est vrai que beaucoup disent que le sniper est vraiment génial dans cet épisode, surtout qu'encore une fois c'est vraiment un sniper vu à la première personne, vous savez, avec la cible comme ça où on voit vraiment que la cible du jeu, ça fait qu'on peut faire vraiment des zooms sur la gueule des zombies et tout, qui sont super bien faits d'ailleurs. On aura également l'arbalète au carreau, qui sera également une nouvelle arme du jeu. Ça, l'arbalète, on l'avait jamais vu dans les anciens jeux. En plus, c'est cool parce qu'on peut viser la tête et tout. On peut également avoir plus tard des carreaux explosifs qui sont hyper puissantes. Ils sont peut-être même les armes les plus puissantes du jeu. Et bien sûr, après, on retrouve bien sûr les fameuses armes classiques des Resident Evil, donc les flingues de base. Après, on a bien sûr le fusil à pompe qui permet d'exploser la tête des ennemis. Même si vous allez voir, c'est un gros foutage de gueule à ce niveau-là, mais ça, on en reparlera après. Enfin bref, donc voilà, franchement, le gameplay ne change pas beaucoup. Hein, le gameplay est toujours aussi bon, même si là, autant sur PlayStation, je pouvais encore accepter pour le troisième épisode qu'il n'y a pas trop de changements au niveau de son gameplay. Là, pour Code Veronica, je vais un petit peu faire un petit foutage de gueule, parce que je trouve quand même qu'il y a énormément de choses qu'ils auraient pu mieux faire quand même. Et c'est pour ça que, finalement, je pourrais pas dire que c'est un chef-d'œuvre sur certains coins, parce que c'est pas forcément des points qui vont énerver, on va dire, le jeu en lui-même, qui va dégringoler sa qualité, non. Mais disons que c'est des points où je me dis, finalement, ouais, mais c'est juste un Resident Evil des anciennes générations qui a évolué graphiquement. Voilà, tout simplement. Parce que honnêtement, au niveau du gameplay, ils auraient pu faire largement mieux. Je pense que vraiment, ils auraient pu encore faire largement mieux. Donc voilà.
Ensuite, l'un de ses plus gros points forts, c'est aussi donc le rythme de jeu qui est excellent. Ça aussi, j'ai rien à dire là-dessus. Le rythme est juste génial. On ne s'ennuie jamais durant le jeu. Jamais. Franchement, pour ceux qui adorent le survival horror, vous allez jamais vous ennuyer. Par contre, autre chose que j'ai pas compris, et là honnêtement, je trouve que cette fois-ci c'est plus du foutage de gueule envers les joueurs, parce que là ça m'a achevé, parce que le jeu a été énormément idolâtré à sa sortie, hein. Je le dis encore une fois, le jeu a été énormément idolâtré, le jeu était considéré comme peut-être le meilleur Resident Evil de toute console confondue à l'époque, hein, je parlais à l'époque. Autant aujourd'hui le jeu est considéré comme un jeu assez médiocre, je vous assure c'est vrai, hein, vous pouvez aller voir, il y en a qui disent que le jeu au final a mal vieilli, qu'il est assez médiocre et tout. Et c'est là où je vous comprends pas les joueurs. Je vous comprends pas parce que en gros ils critiquent le fait que le jeu de 1 est trop difficile. Et de 2 parce que il y a beaucoup trop d'énigmes. J'ai vu des gens critiquer le jeu parce qu'il y avait trop d'énigmes. Qu'il y a trop d'énigmes à la fois. Et sur ce, je leur répondrai: vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. Alors, on critique Resident Evil 4 parce qu'il est trop action et qu'il n'y a pas beaucoup d'énigmes. Et que les énigmes sont linéaires. Et là, vous critiquez Code Veronica parce que vous trouvez que trop d'énigmes tue l'énigme. Alors là, je dis non. Non, 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 non. Je l'ai déjà dit que le Survival Horror était un mixte entre le point and click et le jeu d'action à la troisième personne. Et si vous voulez, les énigmes ont toujours été très importantes dans un survival horror. Parce que c'est ce qui va nous permettre justement de nous dire qu'on est complètement bloqué à certains endroits et qu'on doit aller à d'autres endroits, donc les allers-retours encore une fois, où on est bloqué avec ces monstres. Voilà, on est bloqué avec ces monstres, on ne peut pas avancer à cause de ces monstres. Et c'est ça le but d'une énigme, c'est de vous faire chier. Sinon c'est pas marrant. Alors je sais qu'il y en a qui disent « Oui mais c'est con parce qu'il y a des objets qui ne devraient pas se trouver à certains endroits ou autre. » Bon, alors on va revenir un petit peu sur les réalismes, un petit peu des énigmes. Déjà, je l'ai déjà dit, fuck le réalisme. J'en ai rien à foutre qu'un jeu soit réaliste ou pas. Moi ce que je veux c'est que le gameplay soit bon. Et si les énigmes sont cohérents, par exemple si on te demande de mettre 4 artefacts sur une statue, bah, pour moi déjà là c'est cohérent. Par contre si on te demande par exemple de mettre un pot de flan sur une statue, là oui, là ça va être complètement débile, là je suis d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il faut c'est que c'est pas que les énigmes soient réalistes, ce qu'il faut c'est que les énigmes soient cohérents. Qu'on se dit ah mais oui ça doit aller là, mais oui ça doit aller là, ça a la même forme que ça, alors ça doit aller dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que les énigmes, on les évolue avec les écritures du jeu. D'ailleurs, les écritures du jeu qui sont excellentes. C'est vrai que les écritures du jeu, franchement, c'est un plaisir à les lire, encore plus que dans les anciens Resident Evil. Il y a vraiment un boulot qui a été fait avec ça. Et voilà, tout simplement, c'est ça le but d'une énigme. Alors, les gens, ils ont critiqué le fait qu'il y en a trop à la fois, que à chaque fois qu'on est à un endroit, il y a toujours un énigme qui arrive. Mais oui, mais c'est le but! C'est le but. Alors pourquoi est-ce que, encore une fois, surtout que ça, ils ont su également bien l'exploiter dans le remake de Resident Evil 1. Ils ont su vraiment bien l'exploiter. Mais pourquoi est-ce que là, vous dites rien? Pourquoi est-ce que là, vous dites rien? Parce que dans Resident Evil 1, c'est pareil. Hein, ils se sont déchaînés au niveau des énigmes, hein, avec le coup des masques, le coup des artefacts. Et là, c'était pareil dans le remake de Resident Evil 1. Mais là, vous dites rien. Par contre, Code Veronica, oh non, 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 il y en a trop. Pourquoi? Parce que dans Code Veronica, les environnements sont beaucoup plus gros. Tout simplement. Parce que dans Code Veronica, les environnements sont beaucoup plus gros. Et oui, on a des allers-retours à faire, mais c'est le but du jeu. C'est le but. Mais dans ce cas-là, arrêtez le survival horror et jouez à vos jeux à la con, là, linéaires et scriptés comme The Last of Us, avec des jeux qui réinventent rien, qui sont des pseudo-films interactifs qui te font croire que t'as du gameplay dans le jeu, hein. Dans ce cas-là, vas-y, va jouer à The Last of Us, hein, et arrête les Resident Evil, ça ira beaucoup plus vite, hein. Mais non, mais c'est vrai, quoi, moi, je suis désolé, c'est hallucinant, quand même, à ce niveau-là. Il y a une différence entre une énigme incohérente et une énigme réaliste.
Ce que vous voulez, vous, c'est des énigmes irréalistes, mais sinon, si vous enlevez le côté irréaliste des énigmes, vous enlevez tout le fun du survival horror. Parce qu'une énigme, c'est pas une question d'utiliser un couteau sur du scotch pour ouvrir quelque chose, hein. Ça peut être fait dans n'importe quelle situation, hein. Parce que dans Resident Evil 7, c'était ça. Je me souviens que certains disaient que utiliser un couteau pour couper du scotch, c'était une énigme. Non, ça c'est pas une énigme. Ça c'est une logique, ça. Enfin, c'est une connerie, ça. Ça c'est une connerie. Ça, tout le monde sait le faire. Non, ce qu'il y a, c'est que vous ne voulez pas réfléchir. Vous ne voulez plus réfléchir. Vous ne voulez plus chercher. En fait, c'est ça votre problème. C'est qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus chercher. Vous voulez qu'on vous donne tout comme ça. Et vous n'avez plus envie de réfléchir, vous n'avez plus envie de découvrir. Elle est où, franchement, votre envie d'aventure, votre envie de découvrir? Non, vous voulez que le jeu vous dise ce que vous devez faire et vous voulez pas vous démerder par vous-même. C'est chiant, franchement, c'est chiant, ça, hein. Donc non, encore une fois, je le dis, les énigmes du jeu, il y en a peut-être beaucoup, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'au moins, ça peaufine le côté survival horror. Et d'ailleurs, dans le jeu, on va vraiment devoir chercher, hein. C'est ça aussi l'un des plus puissants de ce jeu, c'est qu'on va vraiment devoir chercher de A à Z. On va devoir chercher beaucoup de choses, lire beaucoup de choses, affronter beaucoup de choses, parce que ça aussi, à ce niveau-là, ils se sont vraiment déchaînés. Et la crème sur la crème, c'est que dans le jeu, on va devoir beaucoup examiner les objets. Ça aussi, c'est nouveauté du jeu, c'est que on doit examiner tous les objets. Des fois, par exemple, tu peux prendre un vase, par exemple, tu dis, mais le vase, il sert à rien, tu le laisses comme ça de côté, tu cherches un téléphone que tu trouves pas, puis d'un coup, tu prends le vase, tu l'examines, et tu regardes qu'à l'intérieur, en fait, il avait un bijou, donc du coup, tu casses le vase, et t'as le bijou pour passer la porte, par exemple. Ça a été critiqué, parce qu'ils disent, oui, mais comment voulez qu'on le sache? Bah, examinez les objets! S'il y a un mode pour examiner des objets, c'est qu'il faut l'utiliser! Bah enfin, vous le faites exprès ou quoi? C'est le but! Donc voilà, encore une fois, comme j'ai dit, le gameplay est excellent. Il y a beaucoup de choses qui ont été vraiment bien peaufinées dans le gameplay. Seulement, comme j'ai dit, avec un très bon rythme de jeu, et également une très bonne durée de vie, parce que la construction du jeu, c'est aussi l'un de ses, on va dire, à la fois points forts et à la fois l'un de ses points faibles. Disons qu'il a un très bon rythme de jeu, mais sa construction est assez moyenne. Là, je suis assez d'accord sur les critiques, c'est que le problème, c'est que d'habitude, dans les Resident Evil, on est habitué à avoir deux aventures, où on peut choisir entre un garçon ou une fille, ou deux personnages différents. Ça, c'est l'un des choses que j'ai toujours apprécié dans les Resident Evil, c'est de choisir son personnage au début. Là, tu le choisis pas. Le scénario, par contre, là, il va jamais différer selon les choix. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Il n'y a aucun changement dans le scénario. Il sera toujours pareil. Alors maintenant, on peut se dire, oui, bon, au pire, on se dit que la version Dreamcast et la version PlayStation 2, voilà, c'est deux aventures. Non. Là, faut pas déconner. Et c'est là que je vous dis que c'est un petit foutage de gueule. C'est qu'ils auraient pu faire qu'au début, on choisisse entre Claire et Chris. Pourquoi est-ce que ça va être un défaut, ce que je vais vous dire? Par exemple, vous faites votre jeu avec Claire. Voilà, vous avez bien fait votre jeu avec Claire. Voilà, et tout d'un coup on passe à Chris. Alors, on peut récupérer les armes de Claire avec Chris, bon, ce qui est pas un défaut en soi, mais le défaut que ça va être, c'est que au cours de l'aventure, voilà, vous faites votre truc avec Chris, et d'un coup on vous prévient pas, vous réincarnez Claire. Alors pourquoi est-ce que c'est chiant? Pourquoi est-ce que là ça va être chiant? Heureusement, ils l'ont fait qu'une fois. Ça, ils l'ont fait qu'une fois, mais c'est chiant. Pourquoi? Bah parce que, à cause de votre inventaire, parce que, ok, vous pouvez récupérer certaines choses dans votre coffre, mais les choses que vous avez dans les inventaires de Chris, vous ne pourrez pas les récupérer avec Claire. Alors, si vous avez beaucoup d'armes, si vous avez les armes adéquates avec Chris, mais vous les avez besoin avec Claire, bah, vous pouvez vous gratter. Et ça, bah là, le côté survival horror, il est un peu cassé. Surtout après, est-ce que je peux critiquer aussi le fait que... Il y en a qui disent qu'on peut incarner trois personnages avec Steve. On peut incarner Steve. Steve, on l'incarne que pendant 5 minutes. Et c'est juste du défouraillement sur les zombies. Alors là, j'ai rien compris. Moi, là, c'est
Là, j'ai envie de dire, le gameplay de Steve est inexploité, j'ai rien compris. Là aussi, ça aurait pu être cool. Ça aussi, au début du jeu, on te propose l'aventure avec Claire ou avec Steve. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait ça? Là, ça aurait pu donner un truc encore meilleur, parce qu'on aurait pu comprendre comment Steve serait venu sur cette île. Bon, on le sait comment il est venu, mais on aurait pu la voir de son œil à lui. On aurait pu voir Claire évoluer à sa place. Claire évoluer de l'œil de Steve. Ça aurait pu être très intéressant, ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on peut pas choisir au début entre Steve ou Claire, et après l'aventure, et ben tu choisis entre Claire et Chris. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez me dire, oui, mais c'est Claire, à un moment elle se fait emprisonner par ce personnage, machin truc. Et ben justement, le moment où vous choisissez Claire, ben c'est le moment où Chris la délivre. Voilà, simplement. Et après, vous refaites le jeu avec par exemple Chris, et là, bah, vous voyez comment Chris est arrivé à sauver Claire. Vous voyez, tous ces petits trucs, ça aurait pu être vraiment génial. Alors ça, et c'est pour ça que c'est l'un de ses défauts, parce que à cause de ça, ben, je dirais pas qu'on a un jeu qui est trop long. Non, c'est pas ça le problème, puisque le jeu a un excellent rythme, hein, faut arrêter de déconner là-dessus, le jeu a un très très bon rythme. Bah, c'est le fait que justement, on a plus ce choix qu'on avait dans les anciens épisodes, et ça c'est con. Alors je sais que ça n'a pas dérangé certains, mais bah là, j'ai envie de te dire, ouais, mais ça casse un peu le code du truc, quoi. Alors autant, par exemple, comme un jeu comme Resident Evil 4, à la limite, Resident Evil 4, j'ai pas trouvé que l'aventure d'Aida était si intéressante que ça, et c'est pareil dans Resident Evil 4, ce sera également l'un de ses défauts, ça j'en reparlerai un peu plus tard. Autant dans Resident Evil 0, c'est assumé. Dans Resident Evil 0, ça c'est assumé. Donc, je vais pas dire que c'est un défaut de Resident Evil 0, mais là, dans ce Resident Evil Code Veronica, c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses qui auraient pu être très intéressantes. Et tout comme Resident Evil 3, bah, c'est inexploité, et c'est vraiment dommage. Vraiment, c'est vraiment dommage. Donc voilà pour un peu les défauts, j'ai envie de dire. Après, j'ai aussi critiqué certaines phases de jeu qui sont vraiment... bah pourri. C'est vrai que t'as certaines phases de jeu dans le jeu, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont foutu ça là? Par exemple, à un moment donné, tu vas affronter... bah putain, je vais spoiler. Bon, tu vas affronter un monstre. Je vais pas te dire c'est qui. Et c'est juste une petite course-poursuite de merde. C'est nul. C'est pourri, cette phase. Tu dois affronter un monstre, t'es dans un couloir, tu dois courir, et y a même pas d'affrontement. Y a rien, y a que dalle, y a même pas d'affrontement. T'as une cinématique et ça s'arrête là. T'as même pas d'affrontement. T'as un putain de monstre avec un putain de design, je dirais pas c'est qui, je vous montrerai même pas la scène, sinon ça va spoiler. Mais putain, cette scène, elle est géniale. Je veux dire, le monstre, il est génial, mais alors putain, la phase de jeu, elle est complètement pourrie, et après, t'as une cinématique géniale. Pourquoi? Ce qui aurait été énorme, c'est d'avoir un putain de combat contre ce monstre, et après, tu mets ta cinématique de gros ouf. Là, c'est complètement con. Non, franchement, t'as plein de trucs comme ça aussi qui sont complètement cons dans le jeu. C'est vraiment, t'as certaines phases de jeu qui sont vraiment moyens. Ça, c'est vraiment con. Après, il y a aussi, au niveau du bestiaire, où t'as, au final, peu de nouveaux monstres, même si... le nouveau monstre qu'il y a dans ce jeu est excellent, hein. Je parle bien sûr de ce fameux monstre jaune à bras longs, là, alias bien sûr le Bandersnatch. Alors je sais pas dire son nom, le Bandersnatch, qui est énorme. J'adore ce monstre. Voilà, vous voyez, c'est là où j'aurais vraiment kiffé que ce jeu soit encore meilleur. C'est que vraiment, j'aurais kiffé qu'ils améliorent également le Bandersnatch, parce que ça monte tellement puissant. Il est énorme, il a un putain de design qui fait vraiment peur. Moi, il m'a fait flipper à une époque. On aura le tour du ver géant qui sera considéré comme un boss, dont le combo est assez moyen, je trouve. On aura également l'amélioration des hunters avec les swappers. D'ailleurs, c'est un truc qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'en fait, c'est des espèces de mini caméras en fait qui balancent des lumières. Et si tu passes dessus, eh ben, ça appelle les hunters à t'attaquer. Ça, c'est plutôt bien, parce que t'as un petit côté furtivité entre guillemets, qui est plutôt bien, mais assez inexploité encore une fois. Donc voilà. Après, comme je dis, après on a bien sûr les classiques, les zombies, les cerbères, donc les chiens, les chauves-souris, bien sûr, hein, qui sont également de retour dans cet épisode. Donc voilà, bien sûr, on a également les tyrans, et après, bien sûr, les boss du jeu. Donc voilà, franchement, le bestiaire, ils auraient pu en faire mieux. Ils auraient pu faire mieux, surtout que le design des Bandersnatch est excellent, mais je trouve franchement qu'ils auraient pu encore faire mieux au niveau de la modélisation des monstres. C'est vraiment dommage. Donc il y a peu de nouveaux monstres, ce qui est vraiment dommage. Et également les boss. Alors t'as des boss, comme j'ai dit, qui sont excellents.
T'as des boss, franchement, le combat contre Nosferatu, qui est énormissime. Je pense également, peut-être, au combat final également, qui est vraiment très bon. Donc, bref, t'as vraiment des super boss dans le jeu. Mais à côté, t'as des boss de merde, comme le boss de l'araignée géante, qui est une catastrophe. Franchement, ce combat, il est hyper simple et il sert à rien. Et également, le boss, je vous ai dit, là, du monstre là qui te poursuit dans le truc, c'est même pas un boss, je sais même pas c'est quoi, c'est juste une blague. Donc voilà, ça aussi, t'as des boss, franchement, qui sont vraiment pas terribles dans le jeu, mis à part, bien sûr, le combat contre Nosferatu, qui est là, franchement, est vraiment excellent. Voilà, à ce niveau-là, puis sachant qu'on va également débloquer des mini-jeux après avoir terminé le jeu, où on sera en espèce de vue à la première personne. Enfin bref, ces mini-jeux là, ils sont assez moyens. Moi personnellement, je m'arrête jamais à ça, je m'en fous un petit peu personnellement. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire niveau graphisme? Alors ça y est, on y arrive au niveau graphisme. Alors pourquoi est-ce que je vous parlais des graphismes tout à l'heure? C'est parce qu'en fait, c'est le premier Resident Evil qui a une 3D. Voilà, les décors ne sont pas en 2D précalculés, c'est la première fois qu'on a un jeu entièrement en 3D. Le jeu a été très idolâtré par la presse en ce qui concerne les graphismes, alors que d'autres disent « Oui, mais il y a Shenmue qui est sorti un an avant !» Bon, alors, on va se remettre un petit peu dans le contexte. Shenmue, déjà, de 1, c'est pas un survival horror, d'accord? Et de 2, Shenmue, c'est un jeu qui est assez coloré, bon, qui est un peu sombre certains moments, mais c'est un jeu qui est bien coloré. Et puis, excusez-moi, d'accord, attention, je dis graphiquement, Shenmue, il est magnifique. Je dis pas le contraire. Mais je suis désolé, mais les rues, ils étaient assez vides. D'accord? Les rues, ils étaient assez vides. On pourra me dire ce qu'on veut, mais dans certaines situations, il y a certaines rues du quartier ou de la ville qui étaient quand même sacrément vides. Moi, je suis désolé. Certains moments, c'était assez animé, c'est sûr. Mais pour le reste, les graphismes, à certains moments, dans Shenmue, ils étaient assez vides. Ça, on l'a jamais dit dans Shenmue. Mais non, parce que Shenmue, il est parfait. Et ensuite, comme je dis, c'est pas le même genre, même le style de jeu, hein. On est faire ici un survival horror. Les gens ont beaucoup critiqué le fait que la 3D dans Resident Evil Code Veronica ne servait à rien. Alors, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose, cette 3D? Ben oui, elle sert à quelque chose, les cocos, parce que les armes que vous idolâtrez, comme le lance-missile, ou alors le sniper en mode première personne, et ben c'est grâce à la 3D précalculée que vous pouvez les avoir. Et oui, parce que ces armes-là, en vue de la première personne, auraient été impossibles dans de la 2D précalculée. Ben oui! On n'aurait jamais pu avoir de sniper dans les anciens Resident Evil si on avait encore des graphismes en 2D précalculés. Eh oui! Putain, les gens, sérieusement, vous le faites exprès ou quoi? Mais non, mais c'est vrai! Vous idolâtrez le sniper du jeu, mais vous dites que les graphismes 3D ne servent à rien. Ben si, ça va quelque chose! Puisque c'est grâce à la 3D que vous pouvez étudier ça. Après, oui, c'est vrai que la 3D dans le jeu est inexploitée. Là, je suis d'accord que c'est l'un de ces gros points négatifs également, où là, on aurait pu vraiment apporter quelque chose de nouveau dans le jeu. C'est qu'on aurait pu vraiment plus exploiter cette 3D. Pas forcément avoir une caméra derrière l'épaule comme Resident Evil 4, mais on aurait pu jouer avec la caméra, c'est-à-dire que par exemple, avoir le mode de visée derrière le dos du personnage. Attention, qu'on garde justement. Je sais pas si vous vous souvenez de par exemple cette vidéo là de Resident Evil 3.5 ou je sais plus quoi, où on voyait Léon dans des décors en 3D comme dans ce Veronica. Mais quand il visait, on reprenait la visée à l'épaule dans Resident Evil 4. Alors, vous voyez, ils auraient pu faire ça. Voilà. Comme je dis, je demandais pas que le jeu soit entièrement visé à l'épaule comme Resident Evil 4, mais ils auraient pu faire quelque chose où on aurait eu ce mix entre les décors en vue survival horror, et d'un coup, hop, on passe en mode visé à la première épaule, ou alors une visée à la première personne. Alors, attention, je sais, il y en a qui vont me dire, non mais Rudy Golem, t'es le premier à dire que tu détestes les Resident Evil à la première personne. Oui. Mais là, je dis qu'on aurait peut-être pu avoir une visée à la première personne. C'est-à-dire qu'on garde le mode de visée classique du survival horror avec une caméra en hauteur.
Et tout comme Metal Gear, Metal Gear Solid 2, t'as une visée à la première personne et tu peux tirer à la première personne. Et tu peux tirer dans le jeu normalement, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ils auraient pu faire comme Metal Gear Solid 2. C'est-à-dire que à certains moments, hop, tu te mets en vue à la première personne pour avoir plus de précision pour affronter les zombies. Ça aurait pu être cool, voilà, il y aurait pu vraiment avoir des trucs, et là on aurait pu avoir une espèce de sensation de peur, avec la voix de Claire qui fait ou alors Chris bien sûr, vous voyez, qui sont épuisés, qui ont peur de la situation, voilà, on aurait pu vraiment, ou la respiration, voilà, comme j'ai dit, on aurait pu vraiment avoir des choses vraiment énormes avec cette 3D qui malheureusement est inexploitée, et ça c'est vraiment dommage. La 3D est très bonne dans le jeu, ils ont su utiliser certaines armes à leur avantage pour la 3D, mais malheureusement c'est clairement inexploité et ça c'est vraiment dommage. Ensuite graphiquement le jeu, il est beau, d'accord, le jeu est vraiment très joli graphiquement, même pour l'époque on voit clairement qu'il y avait une différence entre les graphismes PlayStation et les graphismes de la version Dreamcast, clairement on a vraiment un bond en avant. Donc au niveau des décors, j'ai rien à dire, les décors sont très inspirés, sont inspirés comme il se faut, ils sont très beaux. Même si je dirais que au niveau de des défauts, c'est que certains environnements, certains décors sont un peu trop vides. Ça c'est un peu dommage, je trouve qu'ils auraient pu peaufiner un petit peu certains décors. Surtout que quand même plus tard on aura Resident Evil 4 quand même sur PlayStation 2, on voit quand même qu'il y a un grand bond en avant qui a été fait au niveau des graphismes. Donc je trouve vraiment que, mis à part certains décors qui sont quand même assez vides à certains moments, le jeu est quand même graphiquement magnifique avec un level design qui est bien exploité, clairement. Surtout que le jeu est varié au niveau de ses décors, ça aussi, hein, ça n'a pas été beaucoup dit, mais le jeu est varié au niveau de ses décors. On a un environnement quand même en Antarctique, dans la neige. Chose qu'on n'avait jamais vue dans les anciens Resident Evil. Et ça, c'est quand même qu'il faut le dire, c'est quand même énorme. Voilà, ensuite je dirais également la modélisation des ennemis et des personnages qui est très bien fait, ça c'est vrai, franchement les modélisations sont très bons. La modélisation qui est excellente, voilà, la modélisation des personnages qui est vraiment excellente. Par contre, gros foutage de gueule dans le jeu, par contre là je veux dire qu'il y a un gros foutage de gueule, c'est au niveau de ses animations. Non, il y a deux gros foutages de gueule dans le jeu en ce qui concerne les graphismes. Déjà, les animations. Alors, autant dans les scènes cinématiques, ou que ce soit en jeu ou en réel, les animations sont vraiment très bonnes. Mais alors, quand tu joues les animations, on serait revenu 5 ans en arrière. Déjà, dans Resident Evil 3, ils avaient fait un gros effort au niveau de l'animation des personnages. Je parle en scène de jeu, hein, je parle quand vous jouez. Hein. Alors que là, les animations dans Code Veronica, vous vous foutez de ma gueule. Quand tu tournes sur toi-même, il n'y a aucune animation. Quand tu tournes le personnage sur toi-même, il n'y a aucune animation. Et pareil, quand tu restes appuyé sur la touche carré, elle marche comme ça sur un pied. Enfin, c'est méga moche, c'est dégueulasse. On est sur PlayStation 2. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est plus marrant. Non, oui, mais il y a quand même des limites. D'accord, il y a quand même des limites. Autant sur PlayStation, ça pouvait passer parce que c'était de la PlayStation, c'était des animations type PlayStation, donc voilà, ça pouvait encore passer. Autant là, on est quand même sur Dreamcast. Oui, là, je vais dire quand même eu Shenmue avant avec un personnage qui avait des animations super bien faites. Là, c'est du gros foutage de gueule. Là, je suis désolé, mais c'est vraiment du gros foutage de gueule. Je trouve vraiment qu'ils auraient pu largement faire mieux au niveau des animations quand vous jouez. Donc voilà. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, il y a un gros foutage de gueule en ce qui concerne l'animation des personnages quand vous jouez, ou même quand vous tirez, quoi. Ok, l'arme, il bouge peut-être, mais le personnage, il bouge quasiment pas quand vous tirez. Même ça, ils auraient pu l'améliorer. Heureusement que ça, ils vont l'améliorer dans le remake de Resident Evil, hein, parce que là, franchement, c'était vraiment du gros foutage de gueule. Après, autre gros foutage de gueule, où sont les démembrements? Ça aussi, il n'y a aucun démembrement dans le jeu. C'est un truc de malade. Les mecs qui te font un jeu sur Dreamcast qui se veut être la réinnovation des Resident Evil, et ils ont supprimé l'un des côtés les plus intéressants qu'on avait dans Resident Evil, qui était méga fun, les démembrements. Où sont les headshots? Tu peux faire des headshots, mais il n'y a aucun démembrement. Les têtes des zombies, ils resteront là, même avec le fusil à pompe.
C'est un truc de malade là quand même ce que je suis en train de vous dire. Hein. On est sur une console nouvelle génération de l'époque, un jeu nouvelle génération de son époque, et ils arrivent même pas à animer des démembrements qu'on avait dans les anciens Resident Evil sur PlayStation. C'est un truc de fou quand même. Ça, franchement, ça m'a pas du tout plu. Là, j'ai envie de dire, putain, mais ils sont où mes têtes qui sont sautées, là? Ils sont où mes têtes que je peux sauter, là? C'est débile. Franchement, ça, c'est débile. Je revenais pas quand j'ai vu ça. Donc voilà, ça, c'est un gros foutage de gueule. Même là, rien que pour ça, tu peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre rien que pour ça. Vous allez me dire, c'est qu'un détail. Mais c'est un détail, quand même, qui n'est pas normal. Qui n'est pas normal. Ok, surtout que ça participe quand même non pas à l'ambiance du jeu, mais aussi au gameplay. Parce que quand tu fais un headshot, tu peux être sûr que le zombie est mort. Alors que là, dans Code Veronica, quand tu fais un headshot et que tu envoies donc ton fusil à pompe sur la gueule de l'ennemi, et qu'il n'est pas explosé, tu te dis, putain, il est pas mort. Eh ben non, il est mort ou il est mort ou il est pas mort. Voilà. C'est débile. Franchement, là, c'est débile, j'ai pas compris. Franchement, Shinchimi, Camille, là, t'abuses. Donc voilà au niveau de ses graphismes et également au niveau donc de son OST, les musiques sont exceptionnelles. Là, par contre, j'ai rien à dire. Les musiques sont vraiment sublimes. Vous l'avez vu de toute façon dans cette intro, les musiques sont vraiment sublimes. L'ambiance du jeu excellente. Là aussi, on a vraiment une ambiance digne des vrais Resident Evil, des films d'horreur. Et également les voix qui sont vraiment géniales. Franchement, les personnages ont des voix qui sont extrêmement bien doublées. Donc bref, je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Une très bonne OST, une très bonne ambiance et des voix très bien jouées. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit en ce qui concerne ce Resident Evil Code Veronica. Donc, point positif, de très bons personnages bien écrits. Ça fait plaisir, on voit quand même qu'ils ont fait des efforts. Et on a peut-être le meilleur Resident Evil en ce qui concerne les personnages qui ont un excellent backroom. Même si dans Resident Evil 4, ils se sont bien émerdés quand même à ce niveau-là, mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Le scénario qui est également un très bon point positif du jeu. On n'est peut-être pas au niveau, encore une fois, d'un Silent Hill, mais, au niveau de son scénario, c'est le plus intéressant, le plus badant et le plus mieux réalisé. Ensuite, des boss qui sont plutôt bons dans l'ensemble, mais ça va également décrocher sur un point négatif. Les voix des personnages qui est excellent, la modélisation des personnages général qui sont et des ennemis qui sont excellents, l'ambiance du jeu qui est également vraiment très très bon, une OST vraiment bien construite et utilisée comme il faut, un gameplay toujours aussi efficace, mais qui débouche également sur un point négatif, une mise en scène super bien faite, des dialogues très intéressants, des scènes cinématiques magnifiques, une très bonne durée de vie, la variété des niveaux qui fait plaisir avec un super level design, des énigmes qui sont bien construites et qui est clairement le cœur du jeu. Et comme je vous ai dit, arrêtez de critiquer ça. Vous critiquez Resident Evil 4 parce qu'il est trop action et maintenant vous critiquez Code Veronica parce qu'il y a trop d'énigmes. Et il va falloir réfléchir et savoir ce que vous voulez un petit peu au bout d'un moment, les gens. Hein. Et enfin, bien sûr, les graphismes qui sont très propres et très beaux. On est vraiment sur une nouvelle génération de l'époque. Franchement, ça faisait plaisir graphiquement. Le jeu était magnifique. Point négatif, des animations de jeu qui sont vraiment très médiocres. Hein. Je pense également au fait comme ça qu'on tourne le personnage sur soi-même. C'était n'importe quoi. Ça, franchement, ça m'avait énervé à l'époque. Où sont les parties séparées? On peut pas choisir son personnage au début du jeu. Ça encore, petite régression envers les épisodes 1 et 2. C'est quand même aberrant. Même si, encore une fois, on a une très bonne durée de vie comparé à Resident Evil 3. On aurait pu encore avoir mieux dans ce Resident Evil Dreamcast. Ils auraient pu faire encore mieux, clairement. Le fait de pouvoir choisir son personnage, c'est quand même pour ma part quelque chose d'important. Ensuite, où sont les démembrements? Ça, c'est un truc de malade, il n'y a pas de démembrement dans le jeu, c'est inacceptable. Au final, peu de nouveautés de gameplay, alors que avec la caméra 3, avec les décors en 3D, ils auraient pu faire largement mieux, c'est vraiment dommage. Donc, ce qui donne également un autre point négatif, le fait que la 3D est inexploitée. Voilà, ça c'est vraiment dommage. Certains décors qui sont assez vides, ça aussi je trouve qu'il y a vraiment des décors qui auraient pu être améliorés. C'est vraiment dommage. Certaines phases de jeu qui sont très moyens, franchement, ils sont pas beaucoup dans le jeu. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être
des phases qui auraient pu être largement plus exploitées. C'est vraiment dommage, surtout bah, la scène avec le monstre là dont je vous ai dit là qui vous poursuit avec une hache, c'est vraiment con. Ensuite, peu de nouveautés au niveau des monstres, ça aussi au niveau du bestiaire, franchement ils se sont pas fait chier également, à part un monstre qui a un design qui change complètement, et c'est vraiment dommage, franchement ils auraient pu vraiment faire des nouveaux styles de monstres, des nouveaux styles de zombies, voilà, qui sera plus exploité dans le remake de Resident Evil. Et enfin des boss qui sont assez inégaux, comme j'ai dit, on a des super boss dans le jeu qui sont vraiment très très bons, mais à côté de cela t'as également des boss qui sont vraiment pas tip top et qui auraient pu être largement meilleurs, dont encore une fois ce boss qui nous poursuit, franchement ça aurait pu être un putain de boss, un putain de William Birkin like, et même pas, ou alors un espèce de Nemesis like, voilà, surtout que par rapport au personnage qui est ce monstre, on aurait pu avoir quelque chose de cool. Mais non, malheureusement, inexploité. Donc, pour conclure, Resident Evil Code Veronica, c'est un très bon jeu. Voilà, il est excellent, c'est vraiment un très bon jeu que je vous conseille. Si vous adorez les Resident Evil, franchement, foncez sur ce jeu. Est-ce que le jeu aurait besoin d'un remake? Et je dirais oui, je dirais non. Disons que je trouve que graphiquement, il n'y a pas grand-chose à changer. Le jeu est très bon comme il est, voilà. Maintenant, peut-être que oui, sur certaines phases, mais après, le jeu reste vraiment excellent. Donc, personnellement, je vois pas trop l'intérêt d'un remake pour cet épisode Code Veronica que certains réclament. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que vous aurez adoré cette vidéo. Cette vidéo n'a plus de raison de continuer. Resident Evil Code Veronica prouve que le jeu vidéo est un art et que seuls les abrutis diront le contraire. Au revoir tout le monde. Hemostatic medicine. How kind of you. Thanks. Here, let me help you with that. Thanks, but I can take care of myself. Just go. Keep it. It was a gift from my brother, but... Thanks. Here, let me give you this in return. You might need it later on. Now go. Don't worry.